RadioMacro.com. Tout de suite, on y va comme ça, on fonce dans le tas. What the bummer. Ok, ça commence. Attends, excusez-moi un instant, mais ça commence. Il me pose déjà un mot que je comprends pas. What the bummer. Putain, pourquoi ça commence comme ça? Bon bah, bummer. Pokémon. Ok, bah mon Google Traduction, il a planté, il a même pas trouvé. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un sait qu'il me le dise. Hein. Sérieusement, pourquoi ça m'arrive qu'à moi tous ces trucs? Et puis. C'est pas de ma faute si mon karma rentre dans les seins des meufs. J'ai trop de succès avec elles ou quoi? Enfin, non, je sais pas, je suis attiré par elle. Je suis obligé de les rencontrer, je sais pas. Avant ça, tout était bien. J'avais juste une vie d'écolien normale quand je suis arrivé au Japon, en aimant et qui aime le Japon. Après les cours, beaucoup des étudiants. Beaucoup des étudiants qui parlaient avec Minazuki, donc à Sakura, pour ceux qui ne se souviennent pas, se sont mis à me parler, avec un peu de chance on va peut-être devenir amis, mais Aimi, pourquoi vous mettez des mots aussi compliqués, pourquoi vous mettre mots compliqués? Mais je ne vais pas tarder à rentrer chez moi. Enfin, je ne vais pas passer beaucoup de temps au lycée pour leur faire connaître. Au Japon pour leur faire connaissance. Deux mois c'est trop court. Peut-être que je ferais mieux d'aller à la librairie pour alléger mon esprit. Enfin, pour me détendre. J'adore les mangas japonais, comme moi. La composition dynamique, les caractères charmants. Les twists and turns intéressants et un petit peu de scène sexy. Et tous ces éléments ensemble donnent au manga japonais quelque chose de différent des BD européennes ou des comics américains. Les japonais ont deux alphabets phonétiques, le hiragana et le katakana, et un truc logographique qui s'appelle le kanji. Ouais, donc c'est en fait, je sais même pas ce que c'est, donc non, ça doit être la calligraphie. Le kanji est particulier et vraiment difficile. Il faut que vous connaissiez plus d'une centaine de caractères pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Je sais parler japonais décemment, mais lire et écrire c'est un autre challenge. C'est pourquoi il existe des versions anglaises des mangas, mais maintenant je dois les lâcher au Japon. Il faut que j'achète des mangas dans leur version originale, en japonais. Parce que je suis un homme. Donc j'ai ouvert la Google Maps sur mon téléphone et j'ai cherché la librairie la plus proche. Ça m'indique une librairie, une grande librairie tout droit. Putain mec, cette app me sauve vraiment la vie. Sur la devanture du magasin, de la librairie, j'ai vu une promotion pour un manga. Et je n'ai pas cru ce que j'ai vu. Le nouveau volume of Samurai Maiden. Non, j'ai cherché sur internet, ça n'existe pas. Et en vente aujourd'hui. Samurai Maiden. C'est un manga historique vraiment populaire. Donc en fait ils vont pas dire, comme vous voyez, il y a Monthly Shonen Clap.
En fait, c'est pas qu'ils vont pas dire le Shonen Jump, hein, enfin dire ce que le Weekly Shonen Jump, ils vont pas sortir ça ou l'Akamaru ou le Tri, pas sûr qu'ils aient le droit. Et il a toujours été tous les temps mon manga favori. Enfin, le personnage principal, c'est Saigu Takamori. C'est une figure historique qui a vécu dans les années 1800, en milieu des années 1800, et qui est connue dans le Japon comme la période Edo et Meiji. Durant cette période, les Européens de l'Ouest, les pays de l'Europe de l'Ouest, ah oui, et ils ont poussé au leader, enfin à l'empereur quoi de l'époque Edo, d'ouvrir les frontières du Japon parce qu'après 300 ans d'isolement, ils ont forcé en fait et le régime, désolé mais c'est assez. Ouais, mais pas vraiment de mots qu'on va dire en français. Ils nous ont forcé après 300 années d'isolement. Enfin, le régime Edo rigide a enfin été un peu inflexible, on va dire. Ouais, ça se dit pas. Il y a des gens qui ont essayé de refaire le Japon. Comme l'Europe de l'Ouest, comme les pays de l'Europe de l'Ouest. Ah non, différemment des pays de l'Europe de l'Ouest. J'ai pas très bien compris. Et réinstituer l'empereur. Ah, le shogunate, en fait, c'était le dirigeant, il voulait réinstituer l'empereur. Saigu Takamori est un héros qui a supporté le changement au Japon. Mais en fait, je le savais pas du tout, j'ai juste regardé sur Wikipédia. Enso Samurai Maiden, c'est un manga historique, mais Saigu Takamori était une fille. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, si je me souviens bien, les filles ne pouvaient pas être samouraïs. C'est très bien représenté Mulan. Dans le manga. On a juste gardé le nom de Saigu. Saigu Takamori était un garçon. Dans le domaine Satsuma, il était surnommé Saigu-chan et le contraste entre cette fille-là au grand cœur, au cœur de samouraï et mignonne et sa petite apparence, c'est vraiment différent. Mais Samurai Maiden est vraiment fameux à travers le monde. Je suis un grand fan de Saigu-chan et j'ai tous les mangas traduits en anglais. Mais la version anglaise sort des mois après la japonaise, ça je confirme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que. On va avoir un petit cours sur les mangas, c'est qu'en fait, avant d'être publié, par exemple, on va prendre l'exemple de One Piece, même si c'est pas mon manga préféré, je prends l'exemple. Par exemple, One Piece, les chapitres sont écrits par Eiichiro, ils sortent dans le Jump. Ensuite, ils sont faits en version tome. En fait, Jump, ils vont sortir un chapitre par semaine, ils sont faits en version tome au Japon. Puis quelques mois après, les versions tome sortent en France. Et puis après, j'ai une bande de. Coquinou, je vous ai bien vu là, vous qui lisiez les scans sur internet. Donc, ils sortent plusieurs mois après les versions japonaises, mais je suis un peu frustré quand même. Et ils sont censés avoir une version en animé cette semaine. Ok, j'ai pas très bien. Il n'y a pas eu de nouvelles à propos de ça. Ah, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi un nouveau tome qui allait sortir et finalement c'est aujourd'hui. C'est le destin. Alors nouveau volume. Le présentoir à l'avant de la boutique est vide. Ils sont pas partis un peu vite. Je suis un peu déçu de ça. Ouais, c'est ça. J'ai un mauvais feeling avec ça. excuse me. Alors, excusez-moi, oui. La vendeuse raciste. La vendeuse a l'air surpris de me voir pendant une seconde, puis elle s'est remise à sourire. Est-ce que vous avez le manga Samurai Maiden? Est-ce que vous regardez pour le nouveau volume? Ouais, et je n'arrive pas à le trouver.
Je suis désolé, mais il s'est vendu très vite et je ne... Almost, je n'en aurai pas avant cet après-midi. Et le seul que j'ai eu était cet après-midi. Ah, oh, je vois. Oh non. Mais si le présentoir à la porte du magasin est vide, allez voir dans les bibliothèques si à l'arrière s'il en reste. Merci, je vais aller voir. Alors, je vais chercher dans les bibliothèques qu'elle a dit pour la maman de Dieu, faites qu'il en reste un au moins. Oh, il est là. Les mots samouraï moderne sont sur la tranche d'un livre. Pas de doute, c'est bien le nouveau volume. Et c'est vraiment le dernier. Ah, c'est cool ça, je l'ai fait. Enfin, je l'ai eu. Je traduis même pas, ça, vous savez lire. Minazuki-san? Quelle coïncidence! Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devriez pas. Quelle coïncidence de se trouver en fait après le. Sur votre route après le lycée, vous savez. J'ai juste de trouver un manga que je cherchais, mais. Et je comptais l'acheter. J'ai le nouveau volume de Samurai Mendai dans ma main, mais pour une autre raison, Minazukan a sa main sur le dessus aussi. Putain, y a la manette qui est en train de partir. J'ai rapidement enlevé ma main du manga. Elle l'a aussi enlevé rapidement. Miyazuki, vous êtes venu pour acheter le dernier tome de Samurai Maiden? Qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout, je ne sais rien je ne connais rien, non, mais rien du tout de Samurai Maiden. Ah bon, bah moi je suis un grand fan de ce manga et le nouveau volume est sorti aujourd'hui et j'étais en train de regarder pour l'acheter. Big fan. Vraiment falloir que je débranche cette manette. Parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a un truc un peu un mouvement brusque, elle se met à vibrer. Je l'ai remis avec beaucoup d'ardeur et elle l'a mis encore plus d'ardeur. Actuellement, Minazuki-san. Actuellement j'ai une petite sœur. Hein? Oh. Ma petite sœur est dans l'hôpital et elle lit Samurai Mendai, c'est la seule chose que je regardais. Mais aujourd'hui, elle m'a dit que le nouveau tome allait sortir et donc elle ne pouvait pas attendre de le lire. Ah, oh non. Vous pouvez le prendre. Hein. Enfin, je sais pas si on doit vous voyer ou. Enfin, on va tutoyer parce qu'on est amis. Tu peux le prendre, hein. Je l'achèterai plus tard. Il y a d'autres tomes, hein. Tu sais, il y a Ken le Survivant, JoJo's Bizarre Adventure, même Dragon Ball. Hein. Plein de trucs à lire, vas-y, prends-le. Mais merci, ma soeur sera vraiment très contente. Vous êtes tu es une bonne grande sœur, Minazuki. Enfin, Sakura. Enfin, Minazuki. Dis à ta sœur que j'adore Samurai Mendai aussi et que j'espère qu'elle ira mieux grâce à qu'elle ira qu'elle sera se sentira beaucoup mieux grâce à Segu-chan. J'essaie de vous laisser un peu les voix japonaises. Ok, merci beaucoup. Et à plus tard, au revoir. Je l'ai vu sortir. Je l'ai vu sortir, quoi. Putain, c'était. Mais je suis sûr. Putain, mais je suis sûr d'avoir fait la bonne chose au moins. Oh. J'ai fait rouler. Enfin, j'ai pris ma. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pris ma. J'ai pris ma.
Ma valise. J'ai pris ma valise et je l'ai fait rouler le long de la route départementale, quoi, ou nationale, je sais pas. Je n'ai rien mangé et je suis complètement crevé. J'ai essayé beaucoup d'autres librairies après ça, mais c'était la fin. Il y a tous les tomes de Samurai Mending étaient vendus. C'est trop mauvais, quoi. Je voulais acheter de nouveaux volumes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est populaire. Mais au moins une chose est sûre, c'était une bonne journée. Moi, ça. Enfin, beaucoup de choses sont arrivées aujourd'hui. Je pense que moins 1, moins 1, plus 1. Alors, il y a une chose qui s'est bien passée, une chose qui s'est mal passée, une autre qui s'est mal passée et une qui s'est bien passée. Donc en gros, si je fais le poids, il y a plus de mauvais, quoi. C'est ça. J'ai regardé mon téléphone et j'ai regardé et j'ai observé le paysage autour de moi. Bon, maintenant il faut que je trouve mon dor mon là où ma résidence, quoi. Le dortoir de Tomoe, une partie du temple de Tomoe. J'ai demandé à Sensei si c'est normal que des gens habitent dans un temple au Japon, et ils n'en pensent rien. L'hôtel de Tomoe est probablement un cas spécial. Enfin, l'hôtel, le temple. Il m'a dit qu'il y a beaucoup d'élèves qui dorment à Tomoe Dormitory, au dortoir de Tomoe, pour chacun sa propre raison. Mais si vous voulez savoir pourquoi je vais ces raisons, pourquoi je vais ici, il n'y en a pas spécial, c'est juste que Sensei est un ami du prêtre en chef, le prêtre Shirakawa. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un endroit aussi tranquille juste à côté hein, de marche de la station de la grande ville d'Okawa. Il y a un énorme contraste. C'était pas mauvais du tout. Après avoir marché beaucoup, après avoir regardé marcher beaucoup, ça pourra apaiser mon esprit. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques étudiants du même âge que moi, et je ne peux pas, j'ai hâte qu'il y a des filles mignonnes. À ce point-là, va vraiment falloir que je me débrouille pour faire une bonne impression et qu'on devienne amis. Ah bah enfin. J'ai fini de traverser la grande allée et je suis arrivé au pied du temple. Je me suis assis sur les marches et Lynn. J'essaie hein, c'est plus ou moins. Je me suis appuyé sur ma valise. Le temple est entouré par une grande forêt. Mais c'est assez bizarre que ça soit aussi près de la ville. C'est l'opposé exact. Les arbres me protègent du soleil. Et une petite brise garde mon corps de la chaleur. Quelle super place. Bon allez, c'est parti. J'ai monté les marches. Le dortoir de Tomoe est à l'arrière du temple. Et c'est un petit truc une maison japonaise, de style japonaise en bois. Mais c'est là où je vais vivre pendant les 2 prochains mois. Je ne trouve pas de sonnette. Je vais pas rentrer rentrer comme ça se fait pas. Hello? Bonjour? Hello? Après avoir crié un peu plus, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Ok, je suis un peu nerveux. Il faut vraiment que je me présente bien et que je me fasse des amis. Date tronche. Oui, désolé pour le retard. Hein? Aoi, dou shita no? Atarashii go kiteru ndesho?
Ah oui, c'est quoi le problème? La nouvelle fille est ici. Attends, mais... What? Elle fait la rentrée, mais quoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Fuck. C'est la seule qui a l'air d'être contente de le voir, Sakura. Dragon... Enfin... Shunard? Qu'est-ce que vous faites ici? Enfin, qu'est-ce que... Oui, vous faites ici. C'est vous, la nouvelle personne que... qui doivent venir vivre ici, comme l'a dit le prêtre Shirakawa? Ah! Non, c'est pas possible! I'm blood... I'm blood... Geonen... C'est un peu genre là le mot. Le cri de Yasui-san m'a matriqué les oreilles. La grande fille en devant moi. Putain, c'est la merde, c'est la fin. Shirakawa, espèce d'idiot, que quoi t'as... Qu'est-ce que t'as fait penser ça? Pourquoi tu nous as fait dormir? Pourquoi t'as invité un étranger pervers à dormir dans un dortoir avec seulement des filles? Attends, je t'ai déjà expliqué, c'était un malentendu. C'était un accident. Ouais, c'est ça, tu t'as mis tes mains à des endroits pas possibles. T'as vraiment regardé mes non, ma poitrine. Karine, faut que tu te calmes un peu là. Non, non, oui. Non, Aïe, tu ne dois pas être perverti, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Une gentille, mignonne et obéissante petite fille comme toi va être corrompue par un homme comme ça? Et je vous le répète, j'ai pas fait exprès. J'en ai rien à foutre. Attends, j'ai l'impression que c'est ça. Blueberry. Enfin, il parle le bel, là. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de vos pleurs de filles, hein, quoi, un truc comme ça. Tout le monde, écoutez-moi, calmez-vous, c'est juste un malentendu, juste un énorme malentendu. Calmez-vous, on va pouvoir régler ça. Tu es tellement gentil, Miyazuki, pas comme Yaoi. Tu es une vraie Yamato Nadeshiko. Attends, tu vas te calmer déjà, qui t'a donné la permission de parler à ma Sakura? Je suis en train de parler à... Je suis en train de parler à Minezuken maintenant, donc tu vas fermer ta gueule déjà, la grande, ok? Ok, tu me cherches, viens en bas, tu me cherches? Ouais, ça baisse les yeux. Je suis en train de parler à Minezuken maintenant. Et comment va votre sœur? Elle est contente? Hip. Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est une fille unique, elle a pas de petite sœur. Hein? What the? Eh mais sérieusement, tu m'as vraiment pris pour un con, toi. Minazuki-san ne me regarde pas dans les yeux. Enfin, Minazuki-san a l'impression... Elle a l'air suspecte, elle me regarde pas dans les yeux. Moi qui pensais que c'était la seule bonne dans le tas, je crois que je me suis trompé. Sakura, oui, reculez, ce gars n'est pas bon, ne laissez pas vous approcher. Juste devant mes yeux, la porte du dortoir de Tomoe s'est fermée, et... What? Putain. Donc là, c'est Karine qui pète un plomb. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, aucun homme ne sera autorisé à rentrer dans le dortoir de Tomoe.
Aucun garçon ici. Vous comprenez? Maintenant, va-t'en. Attends, t'entends me dire de dormir dehors là ou quoi? Ah, merci Dieu, c'était juste une blague. Elle n'était pas aussi cruelle que ça. Elle m'a regardé dans les yeux, puis a refermé la porte une fois, et j'ai pu entendre le bruit de la serrure qui. Le bruit de la clé qui tournait dans la serrure. J'ai regardé la météo, il ne pleuvra pas. Il ne pleuvra pas la. Il ne pleuvra pas cette nuit, et puis si tu as une couverture, tu ne mourras pas. Vraiment, tu peux me remercier. Non. Non, putain! Mon nom, on se calme, mon nom est Shunar Dragon. Je viens de placer mon premier pied au Japon, sur le sol du Japon. Le Japon, c'est tellement cool, avec des cultures uniques et exotiques, avec leurs traditions, la culture fashion d'Harajuku, la culture otaku d'Akihabara, la culture yakuza de Shinjuku. Je peux pas attendre d'aller tout y voir. Mais encore plus que tout ça, j'étais venu pour voir des jolies filles. Mon maître de japonais a dit que les japonais que les étrangers attiraient totalement les japonaises. Mon maître de japonais m'a dit que les étrangers que les filles du Japon étaient des putains de bombes et que je pensais me faire une amie avec une délicate, douce et puis lovely, amoureuse, je sais pas, Yamato Nadeshiko, la fille idéale. Donc en fait, si vous avez remarqué, si vous avez déjà vu le premier épisode, j'ai mis une image, donc je vous la remettrai peut-être pas, enfin si j'y pense, je n'essaierai pas de la remettre à chaque fois, quoi. La fille japonaise idéale, et encore mieux, si nous pouvions devenir amis. Pourquoi ça se passe comme ça, Sensei? Vous êtes un putain de menteur. Donc là, la manette a pété un pont. Donc je pense qu'on va faire une save là et on va se laisser là parce que ça fait déjà 25 minutes. Et je. Alors on va laisser ça au moins, quand même. On a même droit à une petite musique d'intro. Donc elle c'est Sakura, Karine. Si vous savez bien, version japonaise, ils sont pas exactement le même nom. What? Bah putain, ça en jette franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah putain. Oui, j'avais entendu parler de ça, c'est qu'en fait, à la fin de chaque journée, donc là on a fini le premier épisode, il me fallait 3 épisodes pour finir. Et en fait, les filles discutent entre elles sur le téléphone. Putain, cet étranger me rend fou, oh my god. Kari-chan, ça va? Es-tu énervé? Oui, je suis énervé. Il m'énerve, je suis vraiment énervé, il a touché ma poitrine. J'ai entendu lui parler de l'incident plus tôt, mais est-ce qu'il t'a vraiment touché tes magnifiques seins avec ses seins, Karin-san? Vous êtes juste en train de.
Sun Wars, ouais, enfin. Laissez-moi un break, il m'énerve. Ah, maintenant. Itsune. Bon, là, j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Mais il a dit que c'était juste un malentendu. Y a pas de problème avec ce. Il n'y a que des problèmes avec ce putain de game, mec. Vous allez beaucoup trop souffrir à cause de lui. il est peut-être juste essayé de. Ah oui, Sakura. Ah, au fait, Sakura. Qu'est-ce de quoi est-ce que tu parlais quand il a dit qu'il avait t'avais une petite sœur? Juste une erreur. Excuse-moi. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Il y a beaucoup trop curieux. Je ne peux pas juste le croire. Je suppose. Je vais vous protéger les gars au sens les filles, au sens les gars quoi. Karishan, je pense que tu réagis un peu trop. Quoi, tu as un problème? je comprends que c'est que t'es énervé, mais tu n'étais pas obligé de péter un plomb juste pour ça. Attends, t'es en train de passer de son côté? Mais je ne veux pas avoir de présomptueux, je sais pas comment dire ça. Je peux pas être paraître présomptueuse, mais c'est juste un. Il vient de loin. C'est un étranger. Ouais, je viens de loin. Plusieurs milliers de kilomètres même, je suis en train de réfléchir. Ouais, je sais même pas quelle distance il y a jusque là-bas. Et franchement, si je viens de France, imaginez un peu le trajet que j'ai fait. Je suis passé au-dessus de l'Allemagne, de la Russie, de la Pologne, je n'en oublie sûrement. La Chine, de la mer, de ta mère. Et puis pour arriver au Japon. Attends, tu vas pas commencer ça courant aussi. Putain, les gars, vous êtes en train de me. Vous êtes en train de m'énerver. Ah! Non, mais je ne veux pas. Je ne veux pas que le juges tout de suite. Et je pense qu'on a vraiment besoin de faire un point avec lui. Oh, vous m'énervez, je vais me coucher. Karine a quitté la salle de discussion. Karine-chan? Excuse-moi, mais je me sens pas très bien. Bonne nuit. Cherry Blossom a quitté la salle de discussion. Sakura? Hello? Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo qui sera un peu plus long. On va save. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui sera un peu plus longue que prévu, on va dire entre guillemets. Pour de vrai cette fois. Bon, merci d'avoir regardé.